Vous étiez pris au piège dans la banque. Ouais, et on manquait de temps. Un peu comme maintenant. Alors vous dites qu'ils sont venus en ville. C'était à quel endroit? Il y avait une place à l'extérieur. On avait la bombe. Et on attendait dans la banque que Miller et Anvil 3 viennent nous chercher. Je les ai contactés. Je devais savoir quand les renforts arriveraient. Ils ont dit 3 minutes. On sera là dans 3 minutes. Thank you.
vite. Qu'est-ce que tu te fous? Je sais pas. Range-nous. Bonjour, Monsieur Miller, c'est ça? Les Américains et leurs souvenirs. C'est à votre fils? Sûr, il y a son nom dessus. Johnny Miller. Ça doit lui manquer, sûrement un peu. Ouais, les gosses ont tendance à s'attacher à ce genre de choses. Et lorsqu'ils les perdent, ils pleurent. Ils sont inconsolables, ouais. Et pourquoi? Parce que ces petits objets leur rappellent qu'on les aime. Mais la perte fait partie de la vie, n'est-ce pas? La perte comme la mort font partie de la vie, et les enfants doivent l'accepter. C'est le caractère inévitable de la mort. Inévitable. Mon père me le répétait souvent. Vous, vous serez donc un héros pour vos enfants. J'espère que ça vous réconforte un peu. C'est bon, on y va. Honte sur vous! Vous venez nous assassiner dans notre pays. Et pourtant, nous sommes les terroristes. Lorsque nous tentons de protéger notre nation et notre peuple, voici le prix que vous allez payer.